Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. La nuit lundi 26 pour entrer mardi 27 décembre 2022, gain examen Canaan assassiné ak bal pour pipiti yon dizaine moun, blessé ak bal plusieurs autres, boulé plusieurs bis qui kon fè route lan ak deux stations lavant gaz. L'autre massacre ça arrivé dans zone Canaan, commune Croix des Bouquets, côté gang yo tap tiré en pile coup d'zam. Busta John, yon associé chef gang Jimmy Cherizier, la justice en pays d'Haïti met mandat d'ayel depuis date lundi 18 octobre 2021, ta vive libé dans Montréal, Canada, d'après chaîne télévision canadienne CBC News. Et point sur l'activation de nouvelles développées pour dans chapitre insécurité, la nuit lundi 26 pour entrer mardi 27 décembre 2022, gang examen Canaan assassiné ak bal pour pipiti yon dizaine moun, blessé ak bal plusieurs autres, boulé plusieurs bis qui kon a fait route lan ak deux stations lavant gaz. L'autre massacre ça arrivé dans zone Canaan, commune Croix des Bouquets, côté gang yo tap tiré en pile coup de balle. D'après information qui est disponible, bandi exam attaqué lundi 26 décembre 2022 yon autobus compagnie transport en commun rotation tour dans zone Canaan, yon localité dans commune Croix des Bouquets, pas trop loin station autobus Inchlan. Pendant attaque ça, chauffeur a mouri sous place et puis gen plusieurs passagers qui sont blessés. Autobus là t'a pris direction Port-au-Prince pendant que t'a sorti dans commune Inch. Situation ça t'est la cause gros panique dans zone Bon Repos dans après-midi mardi 27 décembre 2022. Toujours dans le chapitre insécurité, Busta John, yon associé chef gang Jimmy Cherizier, la justice dans le pays d'Haïti met mandat d'ayel depuis date lundi 18 octobre 2021, ta vive libé dans Montréal, Canada, d'après chaîne télévision canadienne CBC News. La police nationale d'Haïti mette mandat d'ayel chef gang Busta John pour crime li fait dans le pays d'Haïti alors que la vive dans le pays Canada, d'après sociologue québécois qui gagne origine dans le pays d'Haïti, Frédéric Boiron. CBS News a interviewé dans le reportage ça. Commissaire gouvernement dans le tribunal première instance Port-au-Prince-Lan mandé responsable commissariat Port-au-Prince-Lan pour prendre mesi nécessaire pour chercher traîner mené bali dans paquet Jean la loi mandé ça Busta John qui rete et puis qui domicilié dans le pays Canada. D'après ça nous capable dans un mandat qui sorti dans date 18 octobre 2021. Chef accusation qui kembe contre lui, c'est tentative d'assassinat, association malfaite ak attentat ak la vie yon membre dans gouvernement. Busta John c'était allié Jimmy Cherizier les lité dans pays d'Haïti pour attaquer premier ministre de facto Ariel Henry dans occasion célébration 215e anniversaire d'assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines. Toujours d'après sociologue Boiron, gouvernement Canada semblait pas connaître si Busta John existait et puis s'il a vive dans pays Canada. D'après ça fait qu'on est Busta John ta gen yon chaîne YouTube avec plus passé 200 millions qui abonné et puis li ta aidé organiser yon dernier rassemblement dans Montréal pour ancien premier ministre de facto en Haïti Claude Joseph qui tap tenté retourner sous pouvoir dans pays d'Haïti avec Bouradli. D'après militant politique haïtien Jean Saint-Ville, chaîne télévision canadienne CBC tap posé question, Busta John te menacé pour li racheter tout le monde qui t'apparaît tête yo. Li te fait menace sa yo nan yon déclaration li te fait en direct sur Facebook. An koute yon extrait nan reportage CBC News la. October last year, Haiti's acting prime minister Ariel Henry was to lay a wreath in public when his motorcade was attacked by gunmen and he was forced to flee. Instead, it was gang boss Jimmy Barbecue Cherizier who headed the ceremony while parading behind the banner of Canada's Busta John Foundation. Busta John himself also took to the stage. His real name is John Anael Joseph. He lives in Montreal. And he was there to be an ally of Jimmy Cherizier to attack the Prime Minister of Haiti. He's charged with attempted murder, association with criminals, an attempt on the life of a government member. The National Police of Haiti has issued a warrant to arrest Busta John for major crime in Haiti.
But Buster Jones still lives in Canada and nobody seems to care. Buster John has a YouTube channel with 200,000 subscribers and helped organize a recent rally in Montreal for former Haitian Prime Minister Claude Joseph, who's now trying to return to power with the support of Buster John, who's threatened people protesting Claude Joseph's visit to Canada. Buster John, before the event, did a Facebook Live where he threatened people. He threatened to pluck out the eyes of people if they dare show up. C'était un extrait d'un reportage CBC News. Toujours dans le chapitre insécurité, plusieurs agents de la police nationale là a servi avec blindé pour faire l'argent sous tête citoyen dans zone quoi des bouquets qui sous contrôle gang examio. Ces situations ça, réseau national cap défendre droit moun yo dénoncé dans une lettre li écrit voyé bay inspection générale la police nationale là après l'assassinat vendredi 2 décembre 2022 sous policier national Lincoln bien-aimé yo poko jam joine col jusqu'rivé 27 décembre 2022. Doit pour monter dans blindé à ta vendre entre 2500 goud pour pipiti rivé $500 américains. Variation prix ça reposé sous statut monan qui acheté service là sorti dans simple citoyen rivé dans gros entrepreneur. Blindé yo ta utilisé pour protéger convoi marchandise qui varie entre 2500 goud jusqu'à $1000 américains d'après réseau national cap défendre droit moun yo RNDDH. Zaksa montré nan ki niveau gen yon irrespect nan code déontologie ak règlement général institution la police lan d'après RNDDH. La police République Dominicaine di li arrêté samedi 24 décembre 2021 nan Romana Lerbi Belus ki ta yon membre association criminelle gang exam ki rele 400 Maozoyo d'après sa journal dominicain Listin Diario rapporté. Nan chapitre la ki ti samedi 27 décembre 2022 yo chanté enterrement Gouma pour femme au détroit Fonbrun qui t'est poté collé en pile dans éducation dans pays d'Haïti au détroit Fonbrun mouri à 105 l'année sous tête li vendredi 23 décembre 2022 à dans Pétionville. Pendant la cérémonie ça qui t'est faite en présence plusieurs personnalités tant que premier ministre de facto docteur Ariel Henry, Mirland Hippolyte Maniga ak Victor Benoît, dans intervention li monseigneur Pierre Raymond Dumas présenté Odette Wafonbrun comme un groupe autorique femme qui te servi dans pays. En côté un extrait dans intervention monseigneur Pierre Raymond Dumas cap pour plus de détails pour nous. 22 12 22, nous avons appris la nouvelle au cours de ce jour effroyable et désastreux, une nouvelle qui s'est retentie comme un coup de tonnerre, un éclat de tonnerre, une nouvelle étonnante qui allait nous bouleverser, plongeant la nation dans le deuil. Madame Odette Wafonbrun se meurt. Madame est morte, aurait dit Boustuet. Quelle consternation, quelle épouvante, quel sinistre et lugubre moment. La grande famille d'Haïti vient de perdre une de ses étoiles brillantes, une de ses plus illustres mères de référence. Nous avons tous constaté que Mapou, féminé au grand cœur, est parti. Un baobab séculaire est tombé. Un trésor d'histoire s'en est allé. Une bibliothèque vivante a disparu et nous aurions pu ajouter une encyclopédie de notre origine, de la grandeur de nos racines, de l'idéal premier des pères de la patrie, de l'esprit de notre haïtianité et aussi de la culture ancestrale, des vertus provinciales et des valeurs éternelles, nous a laissé en si peu de temps. C'était un extrait dans l'intervention de Monseigneur Pierre Raymond Dumas. Sous papa, le président académique haïtien Roger Dadossi-Docil présenté Odette Wafonbrun comme une femme qui te fait partie liste 33 académiciens qui te entré dans l'Académie créole haïtien dans l'année 2014. Les rappeler rôle Odette Wafonbrun dans la création de l'Académie créole haïtien. En écouté Roger Dadossi-Docil qui a porté plus de détails pour nous. Odette Wafonbrun, c'est mon ami, mon personnalité, je le fais. Nos pièces, nous vivons des tailles contre toi.
Constitution 1987 là qui dit c'est créole haïtien qui cimentait tout haïtien ensemble. C'est le même tout, nous retenons qui était proposé l'article 213 Constitution 1987 là pour Haïti gagner une académie de créole haïtienne. Deux réalisations ça est seulement suffit pour nous voir dimension personnelle. Académie créole haïtienne ou été chapeau du bien bas pour lui reconnaître grandeur à qualité travail personnel qui était tenté en sentinelle pour permettre langue créole haïtienne une langue nationale et puis langue officielle dans le moment où il y a plus de monde parce que haïtien est capable de vivre langue comme ça. C'est parmi les premiers haïtiens qui ont une nécessité pour intégrer langue créole dans l'éducation publique. Personne ne va être tort si nous ne considérons pas les droits comme grand-mère. Réforme ministre Bernard qui est lancé dans la 1979 là, qui était après entrer créole dans l'école en Haïti. C'était président académique haïtien Ojeda Dorsi-Dorsi. Actualité internationale là à collaboratrice Marie Farah Fortuné. Ancien président sud-coréen Lee Myung-bak a bénéficié mardi 27 décembre d'une grâce présidentielle, ça qui a abrégé peine 17 années prison, il était gagné pour le passé pour affaire corruption d'après ministre justice là. Lee Myung-bak dans liste plus passé 1300 monde qui bénéficient d'une grâce spéciale dans perspective d'une grosse unité nationale à travers réconciliation, tolérance mais tout respect d'après déclaration An Dong-hoon by la presse après un conseil ministre avec président Yoon Suk-yeol. L'autre information, Taïwan pral rallonger service militaire obligatoire sorti 4 mois arrivé yon l'année. D'après ça, président Tsai Ing-wen annoncé mardi côté le souligné zilien doit préparer la menace pays Chine. Service militaire qui la kounya 4 mois pacifique pour répondre à la situation qui a évolué bien vite. C'est ça le déclaré dans une conférence pour la presse. Nous décidons de rétablir service militaire pour yon l'année à partir 2024, d'après ça l'ajouté. Parlement israélien voté mardi 27 décembre dans matin yon série loi qui favorise mise en place gouvernement premier ministre désigné Benjamin Netanyahu doit présenter jeudi lui-même qui vainqué à Kalye Lyon dans élection législative 1er novembre là Netanyahu t'a annoncé semaine passée li en mesure former prochain gouvernement ak patne parti ultra orthodoxe mais tout extrême droite yo. Toutefois, incertitude n'a été sous possibilité pour chef formation ultra-orthodoxe, Henri Derry, vini ministre après l'été fin plaidé coupable dans affaire fraude fiscale dans le cadre d'un accord avec la justice. Et puis, le commissaire droit moun dans l'ONU, Volker Turk, mandé mardi taliban afghan yo pour lever restriction qui inimaginable yo imposé ak fam yo et puis mettez en garde contre conséquences terribles pour tout peuple afghan. Restriction sa yo moun pata ka imagine yo imposé ak fam men tout tif yo pral non seulement augmenter souffrance tout afghan yo mais moins peur pour ça par aller en dehors frontière Afghanistan. C'est ça Volker Turk fait qu'on est dans un communiqué côté le mettez en garde taliban yo. Si plusieurs semaines après les sorties, film Avatar 2 a continué kembe tête box office nord-américain. An koute Marie Farah Fortuné ka pote plus détails pour nous. Avatar 2 continue dans tête box office nord-américain d'après chiffre provisoire cabinet spécialisé Exhibitor Relations lundi malgré gen salle qui était vide à cause tempête hivernale qui était bouleversé week-end Noël là. Suite blockbuster science-fiction 2009 a enregistré 90 millions de dollars recettes entre vendredi et lundi, jour qui était congé États-Unis et Canada pour deuxième semaine d'exploitation. Léo Conté entré en international, le film James Cameron là, fait plus passer 881 millions de dollars depuis le sorti d'après chiffre site Box Office Mojo. Suite film Poutimoun, le chapeauté de la dernière quête, elle trouvait lui-même dans deuxième place podium là, malgré entrée qui pib a passé sa haute prévoit 17,5 millions de dollars sous 4 jours pour premier week-end dans salle.
biopic sous chanteuse Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody atterri li même dans 3e position avec Selma Sevigi $8 million set pour premier weekend. Long métrage à Babylon avec Margot Robbie met Brad Pitt fait à peine $5.3 million pour démarrage li. Black Panther Wakanda Forever suite film Marvel à faux futurisant dégringolé li même dans 5e place avec $5.3 million pour 7e semaine sous écran. Maintenant votre d'emblée avec information yo qui domine surtout avec un accord qui signé entre premier ministre haïtien avec plusieurs acteurs politiques dans le pays pour voir si capable joindre yo sorti dans crise qui a fait là donc accord ça finalement est signé samedi passé entre premier ministre haïtien Ariel Henry avec plusieurs acteurs dans la société civile là c'est une politique là il a trié mais il y en a des autour qui pas répondre ou bien qui pas signé qui pas signé à cause ça parmi eux il y a un leader uni là et Clarence Renoir qui pas signé il y a un ancien sénateur du département de l'Ouest là Jean-Renel Sénatus tout qui pas signé donc à quoi pour connait là n'a parlé là initiative là toujours dans impasse à cause en monde ça qui pas signé et communauté internationale là a fait gros pression sur le premier ministre haïtien lui mandé pour ta gagner plus monde pour son accord qui inclusif t'avait dit tout monde rentrer dans accord c'est là pour capable joindre un dénouement à crise qui a saccagé le pays d'Haïtien depuis un bon bout de temps pendant n'a parlé de élection pour année 2023. Donc Conseil national pour une transition inclusive là pour avec élection transparente au gain jeune de dit tout à la partie union pas signé document ça pour qui raison et bien mercredi 21 décembre dernier premier ministre haïtien Ariel Henry avec plusieurs structures politiques organisations société civile secteur privé économique yo tout signé document ça qui dit pour un consensus national parti politique union nationale pour intégrer ak réconciliation nationale là union qui gagne en tête les Clarence Renoir pas ouais de bonheur document c'est là d'après responsable union là pour qui sont parti politique qui gagne en tête les anciens candidats à la présidence là et pour année 2015 là Clarence Renoir document 21 décembre pas prend en compte ça qui paraît indispensable pour mener pays là tout bon vrai non et non pour qu'il y ait un climat d'insécurité qui calme mais pour mener pays à tout dans élection pour moment si là d'après responsable il fait connait que et Haïti conseil transition ça au conseil transition ça t'a doué gagner tout secteur politique d'après ça uni en fait connait que le pas joindre la donne de l'autre côté parti uni l'a jugé que si un accord t'a doué favorable à pays et non à signateur de toute façon qui promettent pour t'aller une poste dans gouvernement cabine là puisque t'as supposé gagner un remaniement ministériel ou l'autre gouvernement qui t'a prend tête payant pour administration publique là encore une autre fois encore peuple haïtien pas gain rien la bénéficier non tel accord et d'après ça Clarence Renoir fait qu'on est et pendant que lui même n'est pas mettre signature non papier si là c'est la même réaction tout bon côté et Jean-Renel Sénatus qui fait qu'on est que et dossier était campé depuis un bon bout de temps donc il pas fait nous trop clair comment il va le signer un accord comme ça. N'importe dans l'autre point de domine actualité un dossier la police et bien finalement police nationale l'a organisé vendredi qui s'est passé là et qui était 23 décembre 2022 et une cérémonie de remise d'un diplôme à 7e cohorte qui sorti dans PNH là donc monsieur Sayo pour gagner pour travail dans pays pour voir comment est capable ouais bataille avec phénomène insécurité là rétablir un climat pour monde capable vivre comme ça gagne 94 nouveaux commissaires avec 714 policiers qui viennent renforcer rang PNH là donc 7e cohorte commissaire qui sorti dans l'académie police nationale là ANP et 32e promotion policier l'école nationale là graduation ça est faite dans bâtiment qui gagne campus école nationale police qui se route frère en Pétionville à côté te gagne plusieurs personnalités politiques et représentants corps diplomatique là était là dans cérémonie ça. Cérémonie ça te déroulé tout en présence du premier ministre haïtien Ariel Henry, ministre de la justice et sécurité publique là Emily Prophète
directeur général pour petit bout de temps police nationale là comme on a parlé de France LB plusieurs membres dans au commandement PNH là membres corps diplomatique là représentant BINU représentant institution et partenaire PNH là parents amis diplomates tout ont participé dans cérémonie ça pendant événement diplômé qui recevoir diplôme yo et côté 94 commissaire police qui sorti c'est promotion et qui fait sorti parmi eux gain 5 femmes là 94 ans et puis promotion baptisé d'être à Anton Rigaud c'était nom ancien directeur l'école police nationale là que bandi groupe vite l'homme yo était assassiné rappelez-nous dans date en 25 novembre passé 714 policiers yo même tout yo sorti là d'ailleurs gagné 174 femmes qui la donne c'est 32e promotion li non synergie yo également prêté serment dans occasion cérémonie ça d'après bureau coordination presse PNH là depuis les ça yo prend fonction et d'après ça directeur institution France LB déjà dit que il réaliser graduation ça 31e à 32e promotion agent PNH là ensemble avec graduation yo promotion commissaire police et action ça rentrer dans cadre d'un vision globale pour un policier plus opérationnel et plus professionnel d'après information qui t'a venu joindre nous n'a pas venu dans fête Noël là puisque weekend ça qui s'est passé là c'était fête Noël le pays d'Haïti et bien et c'est pas seulement dans le pays d'Haïti parce que dans toute planète là nous nous fêter 24 décembre 25 décembre plutôt qui c'est fête Noël. Donc fête ça c'est après le monde considéré tant qu'on fait partage l'amour la joie la paix tout dans mitan foyer yo et zami yo donc qu'on gagne une série de traditions que qui qu'on fait et depuis un bon bout de temps tradition ça a commencé à disparaître dans le pays d'Haïti ça ne décabrelé décoration et à cause problème électricité pas gain courant monde c'est propre énergie yo gagne la caillou donc il est bagaille décoration ça prend pile courant électrique donc on ne pas utiliser encore nous boîte de nuit ont fermé porte chou et activité ti moun dans la rue fanal nous pas trop yo mais différemment gens ça qu'on y dans ville gonaïve té grand pile machine dans la rue la veille Noël là té gagne blocus pendant que pas gagne gaz qu'a vendre dans pop et gaz a vendre jodi an à $240 à terre et pendant tout weekend là alors 24 décembre tout monde de konwel Jean le connais mais pour Anissa c'est plusieurs citoyens qui ont des chances de rencontrer soit dans ville Gonaïve ou bien dans l'autre côté dans pays a toujours parler que pas gain fête Noël même Jean le connais en tradition presque aller pas gain gros activité dans ville Saint-Maxime même scénario puisque collaborateur nous Victor Tidot je t'ai parlé avec quelques monde qui a vécu dans ville Saint-Max côté de réaliser un micro trottoir et dans ville Saint-Marc plusieurs citoyens plaignent pour fin d'année ça parce que pas gain moyen pour yo faire fête pas gain l'argent pour yo acheter marchandise ça gain marchandise mais dieu pas capable en pile dans citoyen ça fait qu'on est c'est plus mal ça plus mal toujours année ça par rapport avec année passée donc il paraît que chaque année la plus mal à cause pays en bloqué tout produit pour nécessité à monter plus raide chaque jour c'est quelques déclarations quelques citoyens en ville Saint-Marc que nous allons inviter autant de micro collaborateur nous Yvto Altidor qui te font micro trottoir ouais année ça pis mal parce que dernière année bah chaque année dans l'est ça on connaît municipal là mon cher c'est belle bagaille mais année ça là presque de l'eau coule dans j'aime vous avez de l'eau coule dans parce que moi place là dans mon visite L'autre place dans mauvais état dans comme ouel. Faut-il parler bon. Place là, il pas gain nettoyage. Et pas belle parce que l'eau dans l'est à la 25 décembre, 24 décembre vin là. Tout bagage organisé net, belle, mais qu'on y a gardé, garder vieux va réagir et puis pas gain nettoyage qui fait dans place là. Et puis en pile délai tout même monde l'autre bord qu'on vini là. Et puis ouais même fille mon yo la vin a fait ambiance bay ça yo a joué mais qu'on y a là ou vini là ouais place la clé place la pas gagne mon la donne alors c'est une grande monde qui là a marché presque sous fatra mais qui zone nous sorti ou vinn sous place là nous sorti dans Port-à-Guerre pour habiter oui font petit comparaison pour nous parce que nous sommes monté dans l'âge longtemps l'autre qu'on a pour fin d'année rivé fête Noël rivé avec jodi a
qui sont dit tête, qui sont posé tête comme question. Ah, année ça est de l'onanger. L'autre dit de l'onanger, comment ça? Expliquez-moi. Puis mal passé dernière année. Ni dans la préparation, ni dans la vie chère, ni dans. Alors on connaît. C'est l'argent, manger qui fait tout le monde vivre à l'aise. Mais depuis tout le bagage cher, pas de l'argent, pas de mon entrée dans le pays, et à venir en mauvais état. Ça veut dire que le pays a venu nous tirer difficile. Difficile. Ou même en tant qu'un grand monde, si tu as un message pour les jeunes, qui ça t'a appelé? Mais ça, je t'avoue pour les jeunes, pour ça. Je t'avoue pour le pays. Et nous voulons pour ta vie, nous voulons dire plus parce que j'en ai avant. Nous avons entendu des déclarations de la ville de Saint-Marc qui a réagi sur le problème qui a gagné pour faire la fin d'année. Nous avons dans l'autre point de l'actualité en question la police qui mène diverses opérations, par exemple dans le département de l'Ouest Payan, gagnant Augustin Carlo avec Mérisier Abner, alias Black, deux messieurs Sao joignent l'arrestation. Direction départementale police dans le département de l'Ouest a arrêté yo, et puis a présenté yo, la presse parce que monsieur Sao a gagné ZAM illégal dans le main pendant l'arrestation. La police a découvert en bas point de Sao plusieurs âmes. Et puis, il y a l'autre bagaille que la police a joint, d'après porte-parole police dans le département de l'Ouest, inspecteur Joseph Léonel. Augustin Carlos, Mérisé Abner, alias Jack, selon deux individus, direction départementale police nord-ouest, présenté par la presse, après-midi 23 décembre 2022. Pour détention et trafic d'armes illégales en cachette. Pendant l'arrestation, la police a découvert en bas pour être M. Sayo plusieurs armes à fait. Côté Younayo, c'est pour la police. D'après porte-parole police nord-ouest, inspecteur Lionel. Gagné Augustin Carlos, qui était d'échelle nationale pour le PA, qui gagné en possession plusieurs armes, dont Younayo, ses armes. Police nationale d'Haïti. Équipe a dépêché sur les lieux avec juge de paix du Magène Maxime. Ils ont trouvé deux 9 mm. Ils ont arrêté deux mouns, dont Augustin Carlos, pour trafic et détention illégale d'armes à feu. Et les arrivés dans le bureau SDPJ, la police te gen information que le gagné yon manche long nan men tout. Il collaboré à la police, manche long ça que nous là. Yoté et de retirer plusieurs morceaux nan yo, yoté fouillé dans sac oreiller. La police joine ni, c'est-à-dire que Carlos Augustin te gagné trois armes en possession. Ensuite, li te dit que zam la police là c'est Mérisier Abner qui te vendu alias Dja qui te vendu 9 mm la police là. SDPJ encore mobilisé pour mener enquête là pour chercher joindre Mérisier Abner. Matin aux environs de 7h30 la police arrêté Mérisier Abner. Dans la période fête fin d'année, les bandits ont refusé de prendre congé. Côté la journée en coulant nuit, paisible citoyen dans le département nord-ouest a victime en bas main à tout faire ça. Mais c'est bien compté, mal calculé, puisque la police dans le département nord-ouest a dans des gonds. D'après porte-parole police nord-ouest, inspecteur Joseph Léonel. Merci un peu, l'ancien Jean Whisky, s'en a venu dans le département de la Tibonite, dans la direction départementale police, s'en a la Tibonite, a opéré plusieurs changements dans le finissement week-end qui s'est passé là, dans plusieurs sous-commissariats qui gagnent dans le département de la Tibonite, là, commissariat Gaumon, dans sous-commissariat Gaumon, dans sous-commissariat commune Lester, sous-commissariat commune Didune, sous-commissariat commune La Chapelle, donc c'est une série d'opérations, côté que il y a un gros changement qui fait. Ça a entré dans le cadre d'un objectif directeur départemental police, là, commissaire divisionnaire Jean-Bruce Mirtil. T'es fait dans le moment où tu as installé dans la tête de la direction départementale de la police, là, dans la date qui était 3 décembre 2022.
inspecteur divisionnaire Bertin Saint-Hilaire installé dans tête sous-commissariat commune Gomone, une commune d'après information yo qui gagne gros difficulté avec bandi k'ap ferrailler dans zone Tibois-Dôme. C'est commissaire principal là Wesley Joseph qui était al faire installation ça. Après ça, il était installé dans l'autre sous-commissariat tant que Lester dédune l'autre commandant pour capable prendre contrôle sous commissariat ça yo. Maïsa commune Gomone Hubert Syriac qui te répond à installation nouveau responsable police là dans sous commissariat commune Gomone fait qu'on est installation ça vini dans moment côté gain quelques sections communales là dans ville Gomone qui fait face à un climat insécurité sans pareil. Hubert Syriac promet pour bailler toute collaboration ni bailler un nouveau commandement police là dans sous-commissariat commune Gomone non yon l'autre bol de tout profiter parler tout de état du maison qui crasé depuis quelques mois et que responsable dans TPTC pour que j'en fait rien pour réparer et bout de pont ça malgré toutes démarches qu'elle fait bon côté autorité centrale yo en dans les déclarations et magistrat commune Gomone non Hubert Syriac. Faut nous dire que l'installation ça vient non moment côté que commune tout la fait face à une situation de sécurité mais en particulier entre 5e et 6e section Savane Carré puis Pendu. Mais nous-mêmes en tant que autorité civile maire commune nous toujours préoccupés par situation ça auprès que nous réalisons pile atelier de travail avec la police et participer nos paquet rencontre avec la police, garder nos paquet stratégie ensemble comment pour jouer une solution à situation. Mais faut nous dire que inspecteur sortant qui s'est Wagner Leclerc, c'est un inspecteur très dynamique avec lui qu'une des parfaite collaboration dans le cadre de travail qu'une a fait sous commune. Et Jodia, c'est l'inspecteur Bertin, inspecteur divisionnaire Bertin qui est même installé, nous même comme maire, même collaboration qu'une débat à inspecteur Leclerc là, c'est même collaboration ça qu'une bralba à inspecteur Bertin parce que défi qui sont 6e avec 5e section, il faut que nous capables de lever, faut que la paix capable de retourner dans la localité ça. Qui ça nous attend de l'inspecteur Bertin? Faut que nous disions que nous n'attendons pas en pile bagaille parce que il y a une situation qui a développé. Ils montrent que la police est faible, la police n'est pas capable. Alors que moi-même, moi j'ai confiance dans la police nationale moyen. Et si j'ai moyen, si j'ai un cadre humain, moyen matériel, moyen logistique et ressources humaines, si j'ai tout ça mobilisé, moi je suis certain que nous avons une solution à la situation. Et moi très confiant que nouveau inspecteur après le travail avec l'autre policier, avec nous-mêmes, pour nous donner une solution à la situation. Et c'est quelle zone de non-douane dans la commune Gomone? Généralement, il y a une 5e, 6e section, en particulier Monsaline, quand il y a les zones de non-douane. Dans tout pays parce que yo fait de action de kidnapping là et yo violé moun là et yo rançonné moun là. Donc te gagné nan mois passé yo gon ensemble d'opérations que la police te mené, plus que 70 policiers étaient mobilisés, une mot te gagné 8 tag, te gagné plus administratif, nous te fait plusieurs grandes opérations l'autre bois au point que nous te voulait éclater cellule là. Mais malheureusement te vinn gon continuité qui pas faite, ça fait que bandi yo voulait reprendre confiance mais avec détermination qui bon côté la police à bon côté responsable yo et en particulier intervention sur nouveau responsable là qui montre que le travail c'est pas bandio, c'est pas nous pour peur bandit mais c'est bandit de peur. Donc moi j'espère que n'a bien une solution à situation. Mais ça qui ça une perspective pour finissement année. Bon, ça t'a en perspective pour finissement année, c'est encore continuer travail pour faciliter que moun yo capable pas son fin d'année dans tranquillité. D'ailleurs, il y a deux zones y a traversé et moun cap soutenir dans l'ouest à Vina Tibonite, moun cap quitter Tibonite dans l'ouest et puis nous te compter toi assainir villa. Malheureusement, nous aujourd'hui 23 jusqu'à présent pas gain pièce assistant de l'état central et me voulait profiter de micro radio pyramide pour dire que mairie à Liondon et passe c'est plus que 33 mois que l'état doit mairie Gomone et moi même qui parle la commère moi j'ai 26 mois pour toucher moi. Donc maintenant et nous fait d'année nous mandé pour l'état au moins tabaille au moyen pour faciliter go assainissement qui fait sous commune pour nous gérer propre ville là et puis faciliter à quelque monde tout yo capable bon sou. Mais jusqu'à présent pas gagné pas grand qui fait au niveau d'état central. Problème pour en toujours exister, oui, magistrat Hubert. Effectivement, problème pour en toujours exister, mais nous faisons tout ça pour nous te faire déjà administrativement. Au point que, notre dernier, ça nous dégaine comme information, c'est que la cour fin de mettre et fin de ligue contre Anamel, mais c'est l'état central qui doit décaisser pour première tranche pour faciliter que le travail vienne commencer. Et nous pas souhaiter passer fin mois sans que le travail ne commence pas. Et nous souhaitons passer fin mois. Alors, parce que nous parlons
janvier, après janvier, commune n'a pas gain pour fêter une fête patronale. Donc nous souhaitons que nous profiter de même micro de ça pour nous dire à l'autorité au niveau central que faut que vous mettez maintenant pont parce que nous pas qu'à entrer dans début année 2023 voir pour la fête patronale sans que le travail ça pas fait. Nous avons des déclarations, magistrat commune Goumona, Hubert Seriac, qui a parlé de l'installation et que pont du Maison, qui a plusieurs mois depuis le crasé, machine c'est dans la rivière, trois rivières sont obligées de traverser, et les rivières en cru, tout le monde s'est campé tant, pas de contact entre Goumona et Res Gonaïve. Donc c'est un problème qui est extrêmement grave. Grâce à engagement et détermination policière, esprit de sacrifice, malgré les moyens que nous avons à la disposition, nous réalisons ensemble d'opérations. Il y a 1140 opérations qui sont réalisées, 63 perquisitions qui sont faites à travers tout le pays. Au cours d'opérations SAO, il y a 12 964 arrestations qui sont faites et qui répartissent comme ça. 301 pour assassinat, 348 pour drogue, gagné 124 pour trafic et traite de personnes, 61 pour crimes financiers, 312 pour viol, 334 membres actifs différents gangs qui gagnent dans le pays. Au cours d'opération ça, nous faisons de saisie tout. Nous saisis 367 armes à feu. Et parmi eux, il y a 39 fusils d'assaut. Nous saisis 146 234 cartouches. Les armes que nous avons gardées là, et le moment de nous filmer, c'est en partie les armes que nous saisis. Parce que il y a des armes qui sont obligées de rester dans la juridiction. Parce que yo, la main autorité judiciaire yo, pour la suite judiciaire. Comme exemple, nous avons 20 qui étaient dans le nord, 16 étaient dans le sud-est, dans la justice et autres. Au cours de l'opération Sarautou, nous saisis 2738,38 kilos de drogue. Et parmi eux, il y a 54,87 kg de cocaïne. Nous détruit 5 plantations de drogue. L'engouement contre kidnapping, le phénomène de kidnapping. Là. Nous libérons 41 otages. Et nous déjouons 93 cas de kidnapping à travers de la zone métropolitaine. Spécialement Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Torcel, Bois-des-Bouquets, Tabar et la région et le département de Tibonite. Nous avons 149 bandits malheureusement qui blessés mortellement dans l'échange avec la police. Il y a 58 véhicules et 2533 motocyclettes que nous récupérer ou du moins confisquer. Nous saisis 3 bateaux avec une yacht. Nous pas seulement arrêté l'enfer opération dans la rue actuellement, mais en dans l'institution de la police là, nous prenons des mesures pour nous assainir l'administration de la police. Mesures ça, nous prenons, nous révoquer 1432 fonctionnaires. Et parmi là, il y a 1254 policiers, 174 employés administratifs pour diverses causes. Notez que le travail enquête, donc son synergie qui est développée en commandement entre l'inspection générale de la police là et la direction centrale de la police judiciaire. L'autre mesure, dans le cadre d'assainissement institution, nous retournons dans la finance
10 825 chèques qui totalisaient 219 795 500 gouttes pour retourner dans la finance. Nous annulé 1204 débits BNC. Nous annulé. En institution, au poids contrario, vous faites selon les normes. Jean, finance publique, mobile. Nous soumettons 24 contrats. Et le contrat ça arrive signé après approbation Commission nationale de marché public. Donc, contrat dans la police selon la loi. Il y a une action que nous faisons qui visait à améliorer les conditions de travail policiers et bien-être des policiers. Parce que faut que nous encourager les policiers et faut que nous mettions les policiers en valeur par rapport à la responsabilité que nous avons dans le pays, surtout dans le dernier moment. Nous prenons un exemple. Décret indemnisation des policiers victimes et les ayants droit des policiers décédés dans le cadre de leur service. Ça, c'est un outil légal qui engage l'État pour que les policiers, dans le cadre de travail, les blessés, les victimes, ou du moins, marchent pour les mourir, pour que par un policier, ou du moins policier victime là, pas à la merci, mon bon papa dans l'administration publique là, mais un engagement l'État envers policier. Nous sommes capables de dire que le décret ça a commencé à appliquer. Parce que je dis, nous sommes capables de dire qu'il y a un parent policier qui est décédé, qui recevait chèque ça dans le cadre décret ça que nous parlons. Et nous profitons de l'espace ça pour nous remercier le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, et reste gouvernement qui va nous outil ça, aux outils concrets pour les policiers. Grâce à mesure d'assainissement que nous prenons dans l'institution, sans que nous ne jouions augmentation budgétaire, nous arrivons à augmenter la prime de risque policier pendant l'année en deux reprises. Deuxième augmentation a commencé à partir d'octobre 2021. Unité spécialisée, BIO, donc à partir d'octobre, nous supposons jouer une prime de risque augmenté en deuxième fois pendant l'année. Sans augmentation budgétaire. Pendant l'année, nous arrivons à réhabiliter 25 lieux de police. La façon pour que nous améliorions l'environnement de travail policier. Nous arrivons à concrétiser, appliquer le programme pour la police. Pour éviter que les policiers noirs doivent tout prendre dans la rue. Mais avec le programme ça, nous sommes en mesure pour que nous jouions des prêts à un taux référentiel. Pendant l'année, pour sacrifice, les policiers ont fait dans la rue. Chaque jour après ce qu'ils vivent. Surtout dans le dernier moment ça. Donc, gagner un prime que spécial que de la police. C'est une prime d'efficacité que nous avons octroyée à plus de 3000 fonctionnaires police. Policiers, tant pour personnel administratif. Tout le monde n'est pas toujours dans la police, mais il y a 3000 personnes qui joignent. Et nous profitons de ce passé pour nous remercier le ministre financier pour la bonne collaboration qu'elle a avec l'institution de la police.
par rapport à travail policier, par rapport à confiance population à renforcer dans la police là, gagner plusieurs entreprises sur le marché qui octroyent de rabais à des policiers et employés administratifs. Nous profitons de l'espace pour nous remercier. C'est un geste symbolique et c'est un geste que les policiers ont apprécié. Nous voyons qu'ils ont apprécié le travail. Et ça a encouragé. En dans la police là, nous prenons question de valeur en dedans. Valeur et mérite dans l'institution de la police. Ça fait que nous vivons féliciter 546 policiers et personnels administratifs dans la police. Nous avons tout 47 policiers qui sont honorés par d'autres institutions. Ça montre appréciation population à renforcer l'institution de la police. Et nous promet la population que la police a grandi chaque jour. Institution qui honore la police là, nous sommes capables de citer deux trois. C'est ULCC, Chambre de commerce Nord-Ouest, Commission nationale marché public, c'est MMP, avec l'autre institution encore. Nous arrivons à 2258 policiers et personnel administratif promotion. Et nous faisons selon critères qui préétablissent nos institutions. Ancienneté et compétence. Pas sur le monde. Pas. Et grâce à mesure à ces disponibles, nous faisons tout. Sans que nous ne pas augmenter, sans que nous ne pas jouer une augmentation budgétaire, nous arrivons à employer plusieurs petits personnels qui, à travers commissariat, direction départementale, commissariat de province, commissariat de zone métropolitaine, qui ont plusieurs années, qui a bail service dans l'institution qui n'a jamais touché. Donc grâce à mesure d'assainissement, nous devons nommer tout en tenant compte du principe de finance publique là, l'union budgétaire nous répond pour que nous fassions nomination ça. Mélissa Jean-Louis, qui habite bon la CAO, lui convient de garder l'émission à vous. Vous reconnaissez que le convient de garder l'émission à la CAO. Vous connaissez la CAO. Ok. L'hypothèse de plus dans le tribunal de paix, il doit violer les CC Montel pendant deux fois. Maman dans le tribunal là, il y a devant Jija, Jija examiné, il va à l'hôpital. Pendant qu'il va à l'hôpital, après ça, le mandat d'amener, il a arrêté. Pendant qu'il a arrêté, en 7 janvier 2015, il y a un paquet de cabinet, cabinet en dos. Après toute enquête que mené, il y a eu que viol la constante. Il va juger ici. Commissaire gouvernement, n'a acte d'accusation. Très bien. Veuillez noter que l'accusé a eu la parole en déclarant au juge qu'il a nié les faits mis à sa charge. Pas à cette phase, le tribunal déclare. Fermez les débats, hein? Les débats généraux, ordonne le ministère public, le tribunal. Juge l'ordonnance de renvoi de l'accusé. Il est promet dans les faits de viol à lui reprocher. En conséquence, le condamne à 10 ans d'emprisonnement, 10 ans de travaux forcés à temps. Ce virgule, conformément au prescrit de l'article 278 du Code pénal, renforcé par le décret du 6 juillet 2005 sur le régime des agressions sexuelles, renforcé par le décret du 6 juillet 2005 sur le régime des agressions sexuelles, par le régime des agressions sexuelles. Du même coup, reconnaît en sa faveur la loi sur la détention préventive prolongée dite loi Lestine. Du même coup, reconnaît en sa faveur la loi sur la détention préventive prolongée dite loi Lestine. Donnez de nous, berge au surplus,
juge en audience criminelle sans assistance des jurés du mercredi 28 décembre 2022 en 219e de l'indépendance. C'est Colbert Darélus, en présence de maître Albert Darélus, des représentants du ministère public, avec l'assistance du greffier, Chimone, Joseph Chimone. Il est ordonné, etc., etc., en foi des fois, etc. Soyez les bienvenus au nouveau local du Comité olympique haïtien pour assister à cette cérémonie de remise de plaques d'honneur à des fédérations et personnalités sportives ayant marqué l'année 2022. Chacune d'elles a su apporter à différents niveaux sa prestigieuse contribution au développement et à la promotion du sport haïtien durant l'année en cours. L'Observatoire national du sport haïtien, ONH pour les intimes, est un groupe de recherche, un outil scientifique, un espace scientifique mis à la disposition du sport haïtien. Nous venons tout juste de fêter récemment notre première année. L'ONH est le fruit de mûres réflexions entre votre serviteur Edwin Charles et d'autres citoyens et partenaires engagés et dévoués à la cause du sport national. L'ONH se donne pour objectif de, premièrement, organiser des activités de recherche, de réflexion et de formation. Deuxièmement, observer continuellement, de manière scientifique, la situation générale du sport sur le plan national. Troisièmement, faire des propositions aux autorités étatiques dans l'élaboration de politiques publiques susceptibles de favoriser la promotion et le développement du sport national. Quatrièmement, œuvrer dans la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Cette cérémonie solennelle de ce matin témoigne de la volonté manifeste et inébranlable de l'Observatoire national du sport haïtien de travailler d'un commun accord et efficacement avec tous les acteurs clés du secteur sportif en vue de converger tous nos efforts et sacrifices vers une vision commune, une vision haïtienne. C'est-à-dire celle de faire du sport un véritable levier de développement socio-économique et de promotion de la paix dans le pays. L'ouvrier qui travaille mérite son salaire, dit-on couramment. Mais nous, à l'ONH, nous disons les structures et personnalités sportives haïtiennes qui travaillent de manière remarquable pour promouvoir le sport, qui font la fierté d'Haïti dans votre pays, méritent d'être honorés autant que possible. En effet, il s'agit d'un geste d'une grande importance, exprimant profondément la reconnaissance et la valorisation de leur extraordinaire réalisation. Je dois dire que cet honneur ne m'échoit pas seulement. Cet honneur échoit à tous les membres de la fédération, mes collègues du comité exécutif de la fédération qui depuis 12 ans sont à mes côtés et qui depuis 12 ans la bataille ensemble pour nous faire voler Bolland vivre dans le pays. Honneur ça à tout et aller à tous ces travailleurs de l'ombre, j'aime dire dans cette vidéo, des mondes que nous ne pouvons pas connaître, des mondes que nous connaissons tous, ces encadreurs, ces entraîneurs, ces joueurs, qu'ils soient des joueurs internationaux, qu'ils soient moins connus, mais ce sont toutes ces personnes qui kembe volleyball en vie. Ma parler avec nous aujourd'hui, nous avons une formation qui a fait pleine du
du Nord, qui fait au Bonne, qui fait Fort Margot, qui fait Wanamet, dans des conditions jeunes qu'on est, mais qui fait quand même, parce que nous disons, nous n'avons pas qu'à abandonner jeunesse. Et on se dit à chaque fois, moi-même, en tant que président de la Fédération haïtienne de volleyball, mais au fait, où est l'État? M'garde à droite, m'garde à gauche, m'garde devant, m'garde derrière, m'a cherché l'État, m'a pas joindre l'État. Et me pensais que ce n'est pas normal dans un pays où 65% de la population a moins de 25 ans, où le sport a toujours été traité en parents pauvres, encore plus aujourd'hui, okay, que nous n'ayons pas avec nous un État qui reconnaisse le sport dans la vie des jeunes, le sport dans la vie d'une communauté, le sport dans la vie du pays, combien important que ce sport-là est. Nous tous nous vibrer pendant un mois avec Coupe du Monde. Imaginez-vous Haïti, dans 4 ans, qui a participé dans la Coupe du Monde. Mais il n'y a pas de génération pour spontanée, il faut que ceci se prépare. Ça veut dire qu'on ne peut pas rêver d'Haïti qui parle dans la Coupe du Monde sans nous faire une préparation de départ à partir d'aujourd'hui. Et même aujourd'hui, on dirait que ce serait trop tard. Mais il faut commencer quelque part et je pense que nous devons prendre notre responsabilité. Présentation de qualité, on pensait que c'est en honorant nos héros, il faut les appeler les héros nationaux. Même Jean-Consuel Nassaudin, c'est comme un exemple. À travers président de fédération, pas président de fédération, à travers des structures fédérales, hein? Parce que structure fédérale dans sa liaison, comité, conseil d'administration fort, qui a des personnalités, nous dit morales. Nous sommes persuadés que dans le monde que nous vivons, dans le secteur ça, actuellement, il nous faut des personnalités morales. Pour chaque année, comme président de fédération qui arrivait devant interlocuteur, club, président de club, média, dit moins recevoir 85 000 dollars et que format même de justifier 85 000 dollars. Donc, premier bagage, moralité. Pour chaque année, on président de fédération qui a dit mes programmes d'activité, mes perspectives moins pour année. Pour chaque année, on président de fédération qui a dit mais ça m'a pesé et promote, mais qui événement m'a pas organisé et mais qui recette nous projeter et recevoir. Monsieur le ministre, félicitations. Son spectacle de qualité qui honore les héros et c'est eux qui reçoivent en quelque sorte de locomotive. Ma part de ton dernier bagage. Vous passez à travers structure. Faites très attention. Nous sommes formés 120 cadres à travers des bourses de la Confédération du Venezuela. Nous sommes un monde qui est initié par ça à travers la Confédération. Ensuite, le ministre Scoufflet fait parce que nous faisons longue carrière dans l'État, nous faisons 10 ans dans l'État. Ce n'est pas pour parler de moi, loin de là. Ce n'est pas possible qu'en moins de 5 ans, arrêté 20. Des données que j'ai eues en quelque sorte de mes confrères qui se trouvent au ministère de la Jeunesse et des Sports. Un ministère ne peut pas fonctionner sans des soldats. Les soldats, c'est qui? Ce sont les formateurs. Vous parlez de Itala, mais Itala, t'as l'école. Vous parlez de monde, mais n'importe qui. Les sciences de l'activité existent, il faut des gens compétents. Donc, s'il y a des conseils à donner, de politique publique à donner à un secteur qu'est le ministère, c'est l'école de formation doit renaître et revivre. On ne peut pas faire du sport en Haïti si on n'a pas des gens compétents. Félicitations, nous ne pourrons pas quitter personne inaperçu. Les structures fédérales, les présidents de fédération, les athlètes qui se sont distingués, les médias qui se sont distingués. Tout ça, ce sont des collaborateurs incontournables. Le secteur privé, l'État. L'État pas avec nous depuis 5 ans. Moi, personnellement, en tant que président de fédération, je n'ai eu aucun apport de l'État depuis 5 ans. A petit peuple haïtien, bon courage. Yon jour, la joue. Yon jour, la joue. Tout haïtien qui toujours a vivre avec un pile espoir. Yon jour, Clété va blâiller sous pays d'Haïti pour ne suspendre vivre dans le fait noir. Fait noir répression, fait noir insécurité, fait noir chômage, fait noir la vie chère, fait noir en pile humiliation. Compatriotes, nous, yo à recevoir dans plusieurs pays étrangers. Côté à chercher la vie meilleure. Face à la situation, ça, face à problème, ça, yo, VDHP, qui c'est Vision de Salunienne pour une Haïti prospère, de concert avec ARH, qui c'est Alliance
pour renaissance d'Haïti, a demandé la classe politique là, classe économique là, société civile là, prendre responsabilité de façon plus sérieuse. Parce que nous constatons que le pays a effondré. Toute institution à genoux. Face à la situation, ça, VDHP et AR a demandé à les politiciens faut qu'ils changent de stratégie, bataille politique. Là. Il est important qu'on arrive à joindre un consensus qui aide les peuples haïtiens à sortir de la calamité, la vie. Depuis plusieurs années. Côté c'est insécurité, la misère, chômage. Là, nous constatons, nous vivons dans un pays côté qui gagne 60-65% c'est jeunes filles, jeunes garçons. Jeunes garçons, jeunes filles. Pas de travail, pas d'université, pas d'école, pas de l'école, pas de l'école classique. Pas de l'école professionnelle. Dans ce sens, je ne laisse pas qu'à vivre. Et c'est raison ça qui fait que nous constatons toute dérive, je dis à qui gagne dans le milieu jeunesse. Dans ce sens, nous pas qu'à gagner l'autre résultat que ça n'a pas vivre, je ne veux dire. Qui c'est banditisme généralisé. Nous-mêmes, dans la vision de Salinienne et AAE, Alliance pour Renaissance d'Haïti, nous estimons l'État haïtien responsable de tout ça qui a passé dans un moment difficile. Peuple haïtien a vu le jour.